vérifier et attribuer à chacun une brassière en fonction de sa morphologie. Oui. Qu'est-ce qui fait l'autre de l'autre côté? C'est pareil. Hein? Elle me fait pouet pouet, je lui fais pouet pouet. Hein? On a déjà dit ça. En l'occurrence, ça fait. Un véhicule nautique à moteur, celui-là en l'occurrence, il peut soulever jusqu'à combien? 2000 parce que c'est un jet à bras. L'équipement de sécurité côtier, combien? 6000 côtier, 6000 basique, 2000. Le pavillon rouge indique que le bateau transporte des matières dangereuses. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Absolument. Oui, parce qu'il y a la petite goutte rose là. Est-ce que c'est une Cardinal Nord? Non. Non, pas du tout. Parce qu'elle est yellow, black. C'est une Cardinal Sud. Et en plus, il y a un truc qui vous confirme. C'est que 6 centimètres, 6 flashlights, rapide, quickly. Oui? Ok, super. Dans un chenal étroit, enfin dans un chenal d'ailleurs, en sortant du port, vous apercevez ces marques. En sortant. En sortant, est-ce que vous les laissez à gauche ou à droite? Ah non, va pas trop vite, va pas trop vite, tu sors. Tu les laisses à gauche en entrant, par conséquent, tu les laisses à droite en sortant. Naviguant à moins de 6000 à l'abri, est-ce que le sondeur est obligatoire? Non. Est-ce que la VHF est recommandée? Oui. Ouais, c'est pas plus mal. En cas de risque d'abordage imminent, le navire privilégié doit alerter l'autre par un son ou manœuvrer pour l'éviter? J'ai tenu la barre aussi. On n'est pas dans les manœuvres de port. Une fois aussi. Voilà. Il faut toujours essayer de partir en arrière avec le bateau. Parce que la vis c'est à l'arrière et c'est la roue arrière qui tourne. Donc c'est beaucoup plus simple de partir en arrière. Si on part en avant, le cul va l'enquête. Après, tout réside là en fait. Hein. Déjà ça, faut pas trop y toucher. Ça c'est le trim ça. Oui. Ça c'est ce qui va modifier l'angle de poussée de la vis. Donc il faut y toucher. Après, lorsqu'on est au point mort, la manette est verrouillée. Donc il faut, il y a une espèce de sorte de, je sais pas comment on appelle ça, une gâchette, voilà. Et hop, on déverrouille. Et après, il ne faut plus y toucher. Quand tu veux passer en marche avant ou en marche arrière, tu déverrouilles. D'accord. Et une fois que tu es parti du truc, tu touches plus. Sinon, tu ne trouveras pas le point mort. Donc ça va être le bordel comme ça. Et quand tu décélères doucement, c'est pour ça qu'il faut aller doucement. Vous allez sentir une résistance ici. Ouais. Un petit peu. Ça, c'est ma butée de vitesse minimum en prise. Hein? Pourquoi? Parce que le bateau, il ne manœuvre pas au point mort. Ouais, il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de safran. Donc, il faut toujours rester comme ça. En butée de vitesse minimum. Et donc, quand on décélère lentement, on sent une résistance ici. Et là, on est en prise. Hein? Il faut toujours. Il faut surtout être super light. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre de coup de barre et pas de coup d'accélérateur. Voilà. Donc il faut vraiment être super léger. C'est pareil avec la marche arrière, le dosage de la marche arrière. En fait, le pire ennemi qu'on a quand on manœuvre, c'est la marche arrière. Il faut faire de l'arrière le plus lentement possible. Vous allez voir, vous allez comprendre. Tout va bien. Là, je vais mettre au neutre. Maintenant. Et là, mon bateau, il n'est pas arrêté, bien évidemment. Donc, il faut que je fasse de l'arrière. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer en arrière sans accélérer. Et je vais regarder ce que ça donne. Et si c'est assez, alors je ne fais plus rien. Pourquoi? Parce qu'une hélice a un très mauvais rendement en marche arrière. Et plus elle tourne vite, moins elle est efficace. Ah ouais, jusqu'au moment où elle décroche complètement. Alors, évidemment, si j'avais eu besoin de faire un peu plus d'arrière, j'aurais pu en faire, mais il faut le faire le plus doucement possible. Vous allez voir.
C'est très important. Hein. La différence entre quelqu'un qui manœuvre plutôt bien et quelqu'un qui manœuvre pas bien du tout, c'est vraiment le dosage de la marche arrière. Hein. Ils savent pas où ils vont. Donc forcément, tu arrives en vrac. Alors que si tu as décidé l'endroit précis où tu vas, alors les choses sont plus simples. Par exemple, moi, je vais aller pile poil entre les deux bateaux à voile. Il y a largement la place. Hein. Oui. Là, je vais viser à peu près au milieu, au milieu là, entre les deux bateaux. Ah oui, tu vas là. Tu vois, avec un angle d'environ 45 degrés. Voilà. Et je vais faire attention que le vent ne me foute pas dans le bateau. Mais normalement, il souffle par là, donc il n'y a pas de souci. Voilà, tu vois. Et là, j'ai un scotch sur le balcon. Une espèce de scotch un peu cramé par les UV devant. À droite, là. Bon, bah, je vais foutre mon scotch, c'est à l'endroit où je veux aller. Moi, je vais aller pile poil entre les deux IPM, au milieu entre les deux bateaux. Mmh. J'y vais comme ça en essayant de maintenir cet angle d'environ 45 degrés. Environ 45 degrés, 43-47. Hein. Là, je suis un peu plus ouvert que 45, mais bon, c'est pas dramatique. Et là, quand je suis là, je fais comme avec la bouée. Je tourne à gauche, point mort. Je braque à fond vers le quai. Je regarde pas devant. Je passe en arrière sans accélérer. Et je regarde l'endroit où je vais. Et j'arrive pile poil à l'endroit où je voulais arriver. Hop, point mort. T'as qu'à viser la tâche là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Après, je ne peux bien évidemment pas partir en avant. Alors je pars en arrière. De toute façon, il faut toujours partir en arrière. Parce que c'est mes roues arrière qui tournent. C'est tellement plus simple. Passe au plan mort. Là tu le fais. Passe en arrière un coup sec. Et tu fais plus rien. Si ton arrière va un peu à gauche, tu tournes à droite. Et inversement. Et quand ça ne bouge plus, alors ton bateau est arrêté. Non, mais il faut lâcher le verrouillage. Sinon, tu repars en avant. Voilà. Ça va ? Ouais. Avance encore. Hein. Ouais. Maintenant, tourne à gauche. À gauche. Maintenant, à gauche. C'est bon, à gauche. Point mort. Braque à fond vers la bouée, passe en arrière en même temps. Braque à fond vers la bouée. Go. En avant. Mets-toi en avant. Là, tu es. Maintenant, tourne à gauche. Maintenant. Tourne. Point mort. Attends, braque vers le quai, passe en arrière maintenant. Et tu laisses faire. Regarde en droit. Maintenant tourne à gauche. À gauche. Oh là là là, quelle catastrophe. M'étonne pas qu'on ait des problèmes aux élections. Hein. Oh. Je vais faire à l'enquête parce que c'est pas possible. Tu l'as raté, tu l'as raté. Thank you.